Bonjour, en attendant que le jour se lève. Vous allez supporter de me voir comme ça dans le noir. Je suis sur une terrasse. Bonjour, bonjour. Voilà une nouvelle semaine qui commence et beaucoup d'entre vous, vous allez avoir des attaques. Me donner une seconde, je vais canaliser l'énergie selon ce qu'il me montre pour vous. Donc, je demande la présence des ancêtres, je demande la direction du Saint-Esprit. Que les paroles que je vais vous donner vous aident à trouver votre chemin. Et par la foi, je reçois ce que j'ai demandé. Ainsi soit-il. Nous sommes exposés. Je parle des agents de lumière. La majorité de mes vidéos, c'est pour les agents de lumière. Donc, si vous ne vous reconnaissez pas dans ce que je dis, c'est normal. Ok. Donc, vous avez sûrement remarqué que, surtout la semaine passée, beaucoup de fatigue, beaucoup d'attaques dans le sommeil. Et vous avez l'impression que c'était à tout moment que vous pouviez vous endormir et partir. Donc, tu restes comme ça, tu sais que je peux fermer les yeux pour 2 minutes, genre 30 secondes carrément. Et c'est comme si je suis parti très loin. Donc, le message qu'ils m'ont donné hier, c'était que ces secousses étaient dues à l'upgrade. Beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de monter en grade. Vous êtes en train de monter en grade. Et quand tu montes en grade, ça veut dire que tu as plus de puissance. Bonjour. Et si tu as plus de puissance, on te teste à travers les batailles, les nouvelles batailles que tu dois vaincre. Donc, peut-être tu vas te plaindre en te disant pourquoi j'ai beaucoup d'attaques comme ça. À chaque nouveau level auquel tu arrives, on doit d'abord te tester. Bonjour, bonjour. On doit te tester pour voir est-ce que l'ancien niveau là, tu as tout validé là-bas. Tu repasseras par les mêmes situations, les mêmes relations, les mêmes tromperies. Et on voudra voir cette fois-ci, est-ce qu'elle a compris, est-ce qu'elle a pu analyser les signes de départ. Le manque de respect commence toujours quelque part. Si on te manque de respect tout le temps, ça veut dire que tu rates les signes précurseurs. Quand tu es au début, là, quand les choses commencent, on te montre. Tu vois, tu te dis, bon, la personne sera différente. Généralement, les gens ne sont pas différents.
Ce sont les circonstances qui peuvent manipuler pour que les circonstances donnent un résultat différent. Si tu te vends à 5 francs, par exemple, tu es avec quelqu'un qui a 2 francs, il ne va pas t'acheter à... et que tu vaux 1000 francs, la personne va vouloir t'acheter à 2 francs. Tu es avec quelqu'un qui a 10 francs, il va vouloir t'acheter à 2 francs. Tu es avec quelqu'un qui a 1000 francs, même si la personne a 1000 francs dans sa poche, et que tu dis, achète-moi, il va vouloir t'acheter à 2 francs. Donc, tu auras les mêmes tests. On te replacera les mêmes choses devant toi. Tu quittes peut-être un boulot, tu vas dans un autre boulot en espérant que ce soit différent. Tu vas rencontrer les mêmes circonstances. Donc, l'un des signes que tu es en éveil, ta chair va beaucoup faire mal. Tu auras l'envie d'être seul. Souvent, tu vas même croire que tu écoutes des voix. Donc, tu auras tendance à vouloir te retirer toujours. Tu voudras aller rester de ton côté. Ça, c'est un des signes de que tu es en train de t'élever. Pas t'éveiller, mais t'élever. S'éveiller et s'élever sont deux choses différentes. Un autre signe de ton élévation spirituelle, tu auras des fausses alarmes dans ce que tu écoutes. Donc tu restes peut-être comme ça, non? Tu crois que l'esprit t'a dit qu'il faut que tu quittes le gars-ci. Tu crois que l'esprit t'a dit qu'il faut que tu te mettes seul de ton côté là-bas. Et ça vient, c'est tellement fort. C'est tellement fort comme quand les ancêtres te parlent. C'est quand tu peux finaliser la chose que tu te rends compte que je suis à côté de l'aéroport. Bonjour, bonjour. C'est quand tu veux finaliser et que tu te rends compte que... Oh! Je croyais que j'écoutais la voix de Dieu. Donc, la voix du diable sera aussi... sera similaire. Maintenant, tu dois te baser sur d'autres signes, à part le fait qu'ils m'ont dit que. Donc, tu ne donneras plus ça comme excuse. Que, mais pourquoi ça ne marche pas? Pourtant, ils m'ont dit que, ce ne sera plus seulement ils m'ont dit que tu vas utiliser. J'espère que ça passe et que vous comprenez. Donc, je vous ai donné quelques signes d'élévation spirituelle. L'élévation est différente de l'éveil. Quand tu es en élévation spirituelle, tu es déjà éveillé, tu es déjà dans ta mission. Ok? Tu as déjà commencé. Quand tu t'éveilles, en fait, tu te rends juste compte que, oh, l'envie que j'avais de partir, commencer quelque chose qui n'a pas de sens pour tout le monde, c'était les ancêtres qui me parlent. Donc, je suis guidée par les ancêtres. Donc, il y a une mission que j'ai. Ça, c'est l'éveil. Oh, donc j'ai des guides. Ok. Donc, ma journée commence à voir dans le spirituel.
Donc, depuis ma naissance, il y a un plan pour moi. Ça, c'est l'éveil spirituel. L'élévation spirituelle, tu traverses des nuits noires de l'âme intense. Tu entends des voix très fortes dans la tête. Tu ne supportes pas la présence des gens. Très souvent, à chaque fois que tu t'élèves, tu t'isoles. Après, tu reviens pour une petite période. Après, tu t'isoles encore. Et ton isolation peut être forcée ou induite. On peut te forcer à t'isoler. Par exemple, ils te font break-up avec ton gars. Et ton gars occupait généralement le trois quarts de ton temps. Maintenant qu'il n'est plus dans ta vie, qu'est-ce que tu vas faire? Et tu vas te concentrer sur le spirituel, ma chérie. Ou encore, ton travail prenait 100% de ton temps. On te renvoie du boulot. Qu'est-ce que tu as fait? Oh, je suis libre, je n'ai plus rien à faire dans la vie. Donc, on va te forcer. Soit, tu ne vas plus tolérer la présence des gens. Tu restes comme ça, les lieux publics, ça ne va plus. Tu as seulement envie de partir au village ou dans un endroit, où tu, en campagne peut-être. Tu as un peu d'argent dans ton compte quand tu as épargné. Tu veux rester dans ton coin. Tu achètes ta nourriture même pour une semaine, tu ne sors pas beaucoup. Et pendant que tu t'isoles, parce que les relations avec les gens, ça prend beaucoup d'énergie. Les relations avec les gens, ça prend énormément d'énergie. Supposons que tu vas avoir des amis, je ne sais pas trop quoi. Oh, pourquoi tu ne m'as pas appelé l'autre jour? Je t'ai écrit, tu n'as pas répondu, pourquoi? Tu pars où? Tu fais quoi? Coucou. Du coup, tu dois laisser ton train de pensée pour te tourner et dire, qu'est-ce que la fille s'y dit? Qu'est-ce qu'elle veut? Et aussi, un des signes d'élévation spirituelle, tu vas trouver les conversations normales trop vides. Ah, bonjour. Oui, bonjour. Comment était la journée? Oui, oh là là, il est beau votre fils. Oui, je sais que mon fils est beau, pourquoi tu me dis encore? Ah, mais vous allez où après? Oh, ah d'accord. Ah, vous voyez les conversations que tu es dans l'ascenseur avec quelqu'un. Mais il faut beau temps, hein? Il fait beau temps, oui. Franchement, le printemps, ça s'annonce bien. Oui, oh les fleurs. Tu sais que comme tu as parlé pendant 10 minutes avec la femme là, vous n'avez rien dit. Elle ne t'a rien donné qui va t'aider à quelque chose. Vous avez dit des conneries en fait. Pour toi, c'est des conneries. Donc du coup, tu ne veux plus trop faire la conversation avec les gens. Parce que ça te vide. Parce que tu as besoin d'énergie pour sauter à un autre niveau. Je vous explique la différence entre l'éveil spirituel et l'élévation spirituelle. Et parfois, les gens sont bloqués en éveil spirituel. Oh, mais je suis déjà réveillée, moi. Oui, je suis une femme éveillée. Oui, oh, franchement. Non, non, tu es juste éveillée, chérie. Tu es éveillée et tu es bloquée dans ton niveau. On a des niveaux spirituels. Donc, je disais, tu peux être éveillé et bloqué dans un niveau. Oui, je suis éveillé, oui, oui. Et tu n'évolues pas. Parce que l'éveil est censé être évolutif. Et le but, c'est que tu arrives à un niveau où tu laisses ton ancienne vie. Ton éveil, tant que ça n'influence pas ton quotidien, tu n'es pas éveillé.
Tant que le travail que tu fais, ce qui te donne l'argent, n'est pas lié à ta spiritualité ou bien à ta mission de vie, tu n'es pas encore réveillé. Tu nais, tu grandis. Pour les gens qui sont nés dans les familles qui n'étaient pas éveillées, tu fais ce que ta famille t'a montré ou ce que la société t'a montré. Tu le fais. Jusqu'à... Mais pendant que tu le fais, dans ton esprit, tu as des questions. Ton esprit attend seulement un événement qui va venir bouger les choses pour que tu te réveilles. Parce que tu es plongé dans un sommeil. Et le sommeil est dû à la société slash matrice. Et tu peux avoir peut-être des parents qui t'ont donné un niveau. Parce que tes parents ne te donnent que ce qu'ils ont. Tu ne peux pas avoir un parent que son salaire moyen, c'est 200 000 au mois. Et il élève un enfant, il lui montre, voilà, tu peux devenir milliardaire. Quelqu'un qui est devenu milliardaire sans avoir hérité, c'est quelqu'un qui a dû changer son énergie. Quelqu'un qui a dû se réveiller de ce que sa famille lui a donné. Donc, généralement, la famille ne vous donne que ce qu'elle a. I hope it makes sense for somebody. Donc, la famille ne vous donne que ce qu'elle a. Et quand la famille vous donne, pendant qu'il vous donne, si vous avez un esprit, d'éveil, vous sentirez en vous que c'est vrai que papa veut que je fasse ça, mais j'ai l'impression que c'est pas ça, c'est pas, je suis née pour plus que ça. Un avion qui décolle. Oh là! Mais décolle alors, c'est quoi? Oh, il est parti décoller là-bas. C'est comment avec toi? Bon, désolé. Hein. Je vais continuer ce que j'étais en train de vous dire. Bon, je ne voyais pas vos commentaires. Célia a dit que ce genre de conversation vide et superficielle, ça te fatigue. Yeah. Ces conversations seront très... Les gens vont beaucoup vous tenter dans ce genre de conversation. Et quand vous êtes en éveil, votre énergie est très précieuse. Si quelqu'un vient à côté de toi, il te parle, donc... Même si tu te mets en ligne, tu regardes les gossips. Et tu vas dire, oh, telle personne a fait comme ça. Elles sont avec telle personne. Ils ont fait comme ça. C'est comme si dans ton corps, ton esprit te rentre et te dit, tu regardes ça pourquoi? Parce que le monde a besoin de ton attention. Ton attention est tellement précieuse. Toute chose à laquelle tu donnes ton attention, tu lui donnes de la puissance. Et je crois que les réseaux sociaux ont mis ça sous forme de nombre de vues. Quand tu tombes sur une page, tu vois 1 million de vues. Ça veut dire que c'est 1 million d'attention. N'est-ce pas? Ça va plus t'attirer que quelque chose qui a 15 attentions. C'est ça, non? Likez ma vidéo. Si vous ne likez pas, vous sortez de mon direct. Je vois, j'ai 36 likes et j'ai 90 personnes qui regardent. Vous ne voulez pas liker, vous sortez. Grosse tête, vous vous réveillez le matin, vous êtes sur ma page à 6h26 et vous ne likez pas ma vidéo, pourquoi?
Juste que vous allez vous marier chez vous, que la femme, c'est là. Oui. Apprenez à supporter les choses des gens. Je ne veux même pas me fâcher. Supporter les choses des gens. Arrêtez vos bêtises là. Les noirs, vous aimez tout ça. Vous allez partir liker les faux trucs qui vont vous faire rire. Tu ris, tu ris, tu ris. Quand tu finis de rire, rien n'a avancé dans ton chemin spirituel. Maintenant, tu vas venir te mettre sur ma vidéo comme ça là. Bon, à bon entendeur. De toute façon, les gens là vous voient. Ce qui me plaît sur l'esprit. L'esprit voit tout. Oh God. Ok. Tout se passe dans l'attention. Ce sur quoi tu peux concentrer ton énergie pendant 17 secondes ou plus. C'est comme si toute ton énergie, tout ton esprit se tourne vers la chose et tu commences à shooter ton énergie dans ce sens-là, dans cette direction. Maintenant, cette direction peut avoir la capacité de produire pour toi, donc la capacité de te redonner. Donc, supposons, tu regardes une vidéo spirituelle qui t'éduque. L'attention que tu donnes là-dedans, ça fait comme un miroir. Ça te le redonne, multiplié. Et le combat de notre génération se trouve dans la concentration. Aujourd'hui, en ligne, les gens... Quelqu'un prend le grain de riz et commence à compter. Un grain de riz, deux grains de riz, 520 grains de riz, 2 millions 5 grains de riz. Et je suis sur le genre de vidéo qu'on va mettre devant beaucoup de personnes. Parce que ça suce, il collecte vos attentions. Il collecte. Là, je viens de sourire, si vous pouvez voir. Il collecte vos attentions. Vous êtes dans un combat d'énergie. Et les réseaux sociaux, si tu n'es pas vigilant, tu en sors vidé ou abruti plus qu'avant. Soyez très sélectif sur ce que vous regardez. Surtout quand vous êtes en train de faire une évolution spirituelle. Quand tu es en évolution spirituelle, sois très vigilant. Tu peux accumuler ton énergie, tu te disciplines, tu jeûnes, pendant 2 semaines. En 30 minutes, quelqu'un vient te vider. Totalement. Parce que tu t'es retrouvé dans une engueulade sans direction, qui n'avait pas de sens. Par contre, tu peux te retrouver pendant que tu jeûnes. Tu déclenches une bagarre carrément physique avec quelqu'un. Toi qui ne bagarres jamais avec les gens. Mais dans la bagarre, c'est comme si ton il y a quelque chose, une force dans toi qui te pousse. Que tape-moi la personne. Je ne vous emmène pas dans la bagarre. Excusez-moi, ok? I'm so sorry. La dernière fois que j'ai bagarré avec quelqu'un et j'ai tapé la personne. C'était en novembre 2021. C'était une petite fille qui travaillait pour moi. Et elle avait besoin de délivrance vraiment parce que sa famille suçait son énergie. Je peux dire que sa famille suçait son étoile. Elle m'a vu. Oh, je vais travailler avec toi. J'ai dit d'accord, viens. Elle vient, elle commence. Elle était un peu nonchalante. C'est après que j'ai découvert qu'elle piquait même son l'argent dans les caisses. Mais quand un esprit comme ça est dans quelqu'un, ça commence à se sentir parce qu'il commence à faire des manques de respect. Tu parles parfois, tu vois les manières, genre, des petits trucs comme ça. Je regarde et je dis, mais attends un peu, l'enfant, c'est là. Et moi, je suis très, 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 très stricte. Pour moi, si c'est vert, c'est vert. Je veux pas savoir pourquoi tu m'as dit que c'était orange, bleu, verdâtre. Si c'est vert, dis que c'est vert. Donc, je sais qu'il y avait quoi là. Je crois qu'elle a fait certaines manières, je l'ai punie ou bien je l'ai donné la mise à pied, je ne sais même pas quoi. Et la période, elle visitait énormément sa famille. Donc, je sentais un esprit qui était en train de le ramener chez moi. Un jour, elle vient. Et c'est d'ailleurs pour ça, c'est à partir de cet incident que j'ai pris le vigile. J'ai commencé à prendre le vigile chez moi. Elle se ramène. Elle dit que tu as dit les faux trucs des jeunes filles là.
J'avais quoi à ce moment-là, j'avais 30. J'avais 35 ans. Oui. Elle en avait 22 ou 21. Et l'enfant, si. Même seulement ma masse osseuse, ma chaise, là, ça peut te taper. Parce qu'à 22 ans, vous êtes encore mince, vous n'avez pas encore accouché. Elle m'a demandé, dis ce que tu as dit. Hein? J'ai dit que ma chérie, est-ce que tu savais qui tu entends parler là? Je ne suis pas ta copine. Je suis ta patronne. Je m'en fous. Tu es une sorcière. Je suis sortie dans le balcon là. J'ai appelé les gars. Il y a tous les gars qui traînent dans le quartier. Elle dit que pardon, montez ce que veut tuer un fils là. Et on est au quatrième étage. J'ai tapé la fille là. En la tapant, c'est comme si j'étais en train de faire l'exorcisme sur elle. Je l'ai fouetté comme ça là jusqu'à. Les gars là sont venus, ils l'ont prise, ils sont descendus avec elle. C'est pour ça aussi que quand vous recevez, être très, très, être honnête dans ce que tu fais, c'est très important. Parce que quand elle était en train, on s'engueulait, elle faisait genre, si elle connaissait, si je faisais du faux, elle allait commencer à dire aux gens que voilà, voilà ce qu'elle fait. Heureusement, tout ce qu'elle disait contre moi, c'est que je suis sorcière. Bon, ça c'est pas nouveau, moi je suis sorcière donc... Mais il faut être tellement transparent dans ce que vous faites que quelqu'un ne puisse pas avoir quelque chose contre vous. Et quand j'ai fini de taper cette fille-là, j'étais tellement bien. C'est comme s'il y avait un espoir avec lequel je ne dealais pas depuis. Nadia, tu riais. Souvent, tu regardes quelqu'un comme ça. Ou bien les femmes qui ont les adolescentes à la maison. Là. Quand on commence à draguer ta fille, tu sens. À la maison, elle commence à devenir insolente. Tu lui dis, voilà, lave les assiettes. Elle fait comme ça, avant de venir laver. Tu la regardes, tu dis que je vais t'exorciser avec le bâton, mamie. I go exorciser you with the bâton. Mais dans le jour où tu attrapes l'enfant, là, tu la fouettes. Tu connais que je suis en train de faire du bien à cet enfant. Bon, il n'y a que les concernés, les mamans concernées qui peuvent comprendre. De main en main, on connaît. Tant que ton enfant n'a pas atteint l'adolescence, tu ne peux pas dire que tu as tout vu. Donc, il y a certaines bagarres qui seront, même si c'est des engueulades, hein, ce n'est pas, donc, tu dois fuir. Mais par contre, il y a certaines situations où tu vas sentir une force qui sort à l'intérieur de toi. Que réponds comme ça, n'accepte pas ça. Revendique ce qui te revient. Demande qu'on te donne ta part. L'élévation spirituelle va sortir une face de toi que tu ne connaissais pas. Parfois, certains d'entre vous, vous êtes très peureux. Vous laissez toujours qu'on vous marche dessus. Donc, tu as une belle famille qui est toujours... Tu sais pas ce que la belle famille là te veut. Mais ils ne veulent pas ta paix. Et tu les évites comme tu peux. Mais ils sont toujours derrière toi. Quand tu commences une de tes phases d'élévation spirituelle, ta grande, ta belle-sœur ou ta belle-mère, tu les ramasses. Donc toi-même, tu wanda que mes. Avant, quand il parlait cela, moi, je me taisais seulement. Que j'ai même plus la force où. Tu es en élévation spirituelle. Corinne, tu vas me raconter ton rêve pour que je fasse quoi de ça? Vous avez des façons d'interpréter vos choses. Hein. Lis ton rêve. Hein. Je ne sais pas si ça a un sens avec le fait que je sois en direct. Tu as beaucoup prié dans toutes mes intentions. Tu as demandé au Seigneur cette nuit. Tu as rêvé que tu étais sur un cheval avec un couple. Tu te baladais dans la ville. Les gens te regardaient tellement la première fois des choses. À ton réveil d'abord, tu as prié dans ton cœur. Tu voulais à tout prix me parler subitement. Je n'ai pas de commentaire. I got no comment. Ok, girl. Dans l'élévation spirituelle aussi, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui te guide. Bon, malheureusement, il y a des moments où cette chose te vide. Donc, tu sais que... Vous avez remarqué que je n'ai pas fait le direct hier, non?
Souvent, tu ressens ça. Tu as l'énergie. Il y a des jours, je fais même 6 heures de direct. Hmm? Après, je reste sur ça. Je n'ai même pas envie de faire le direct. Je mets la caméra comme ça. Il ne peut pas durer. Je ne peux pas faire 15 minutes de direct. Donc, un autre signe d'élévation spirituelle, c'est comme s'il y a une batterie qui te donne l'énergie quand ça veut. Et ça prend l'énergie quand ça veut. Ça fait partie de ton élévation spirituelle. Ce n'est plus toi qui contrôles les choses. Genre, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux. Non, non, non. Non. Mais non. Ce qui se passe dans l'élévation spirituelle, je vais vous donner les avantages de l'élévation spirituelle. Un des avantages de l'élévation spirituelle, c'est que quand tu es en train de monter, tu te retrouves. Bonjour. Quand tu es en train de monter, tu fais moins. Tu travailles moins physiquement. Tu as des périodes très courtes où on te donne beaucoup d'énergie. Pouf, tu fais quelque chose. Après, oup, tu te mets à terre. Pendant ton élévation spirituelle ou bien au sorti de ton élévation spirituelle, tu vas voir que tu vas obtenir peut-être tes papiers, quelque chose que tu attends depuis 8 ans. Peut-être tu as cherché à peut-être monétiser une de tes pages, ou bien tu as l'argent dans un compte depuis que tu n'arrives pas à retirer. Donc, au sorti de ton élévation spirituelle, tu vas voir des choses qui te hantaient depuis longtemps. Tu n'arrivais pas à faire. Tu vois, quand tu te lèves, tu essaies de faire quelque chose. Tu essaies. Tu appelles même le service client. Tu expliques. Ah, madame, nous sommes désolés. Au sorti d'une élévation spirituelle, les systèmes bancaires vont localiser ton nom. Récemment, j'avais une limite sur un compte, un de mes comptes. Et c'est un genre de compte que vraiment, tu me peux un peu espérer qu'il te donne quelque chose. Like, you know. Je reste comme ça, là. Je fais un petit travail, là, tac, 2 jours. Je vois à la fin du 2e jour, ils m'écrivent. Ils ont multiplié ma limite sur ce compte par 4. Je dirais 5. Attends, c'est quitté de... Ils ont multiplié par 6. Oui. Ces gens, tu as l'opportunité de prendre 10 000 euros et on te dit, ok, tu as l'opportunité maintenant d'avoir 60 000 euros, pardon. Pas le double, pas le triple, pas le quadruple, non. Par 6. Je n'ai pas fait d'application là-bas. Je n'ai rien demandé. Donc, c'est un truc que si moi, je devais prier, je ne pouvais même pas demander ça. Donc, l'élévation spirituelle, ça vient avec des résultats que tu n'as pas demandé, mais peut-être tu cherchais le local dans un quartier ou bien dans une ville. Depuis, tu sors de ton élévation spirituelle, 3 personnes te contactent, on te propose 3 locaux. Tu dis, mais je n'ai pas demandé, mais non, madame, allez-y. C'est ça, l'élévation. Et l'élévation spirituelle, j'ai bien précisé que tu fais moins physiquement. Parce que je vous ai dit que l'un des signes de l'élévation, c'est que tu es isolé, non? Comment ça se fait que tu t'isoles, mais les choses viennent encore plus à toi? Normalement, ce n'est pas censé être, non? Le monde vous dit que vous devez sortir, bouger, pousser, corocorta, les trucs comme ça, là, pour que ça donne. Comment je rentre plus tôt? Je garde mon énergie. Je dors. J'attends. Et quand je sors de là, tu peux sortir d'une élévation spirituelle. Tu rencontres l'homme de ta vie. Ou bien, l'homme de ta vie que tu connais, tu le connaissais déjà, mais lui-même aussi, il te connaissait. Et soudainement, il se lève comme ça, il dit, ouais, je suis convaincu que tu es la femme de ma vie.
Donc, je suis en train de vous donner les signes que tu as eu ton élévation spirituelle. Ou les résultats de l'élévation spirituelle, en fait. Donc, j'ai annoncé plus tôt, ça fait peut-être 10 minutes, 15 minutes. Je vous ai dit que la façon dont ils vont communiquer avec toi, ce ne sera pas la même. Peut-être tu es toujours habitué à dire, oh, l'esprit m'a dit que, l'esprit m'a dit que. Pendant cette élévation spirituelle, c'est comme si tu auras beaucoup de confusion. Beaucoup. Mais je croyais que c'était ça. Non, ce n'est pas ça. Je croyais que c'était lui. Non, ce n'est pas lui. Je croyais que c'est... Non, ce n'est pas... Et dans ta chair aussi, d'habitude, tu jeûnes. Hein. Il y a des jeûnes que tu arrives à faire easy peasy. Like, you know, je peux faire 40 jours de jeûne. Je peux... Tu commences au quatrième jour. Maman, c'est la douleur que tu peux voir sur ton corps. C'est comme si tu vas te déshabiller, aller marcher très nu. Tu es là comme ça. Il y a un truc, il y a un truc qui ne va pas. Quand tu arrives maintenant à l'élévation spirituelle et que ça touche à sa fin, c'est là que tu comprends que ils ne peuvent plus communiquer avec toi de la même façon qu'avant. Tu apprends que même si j'écoute leur voix ou je n'écoute pas, ils sont là, ils sont en train de travailler. Et tu apprends aussi que leurs voix peuvent être différentes. Ils peuvent agir à travers, aujourd'hui, on m'envoie d'aller faire le shopping. Je fais le shopping et me sens bien. Demain, on me dit de dormir. Ça fait partie de mon travail spirituel. Hein? Je dors. Après demain, on m'envoie, ok, va dans un orphelinat là-bas, aider les enfants là. Tu pars. Le jour d'avant, d'après, on te dit maintenant, fais un direct, tu fais. Donc, tu n'as plus un emploi de temps fixe et cadré avec eux. Ce n'est pas figé. Tu te laisses. C'est là qu'on dit Romains 8, verset 14. Je vous ai parlé de ça l'autre jour. Ceux qui sont conduits, et être conduit n'a pas de même chose. Donc, rien ne se ressemble. C'est pour ça que tu as laissé l'esprit te conduire plus que la religion. Ok? J'espère que vous avez compris ce que j'ai essayé de vous dire. Bonjour d'Iran.
Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Merci Chantal. Likez ma vidéo. Si vous n'avez pas encore liké ma vidéo, sortez de mon direct. N'avortez pas le processus d'élévation dans lequel vous êtes. Ne sortez pas du processus. Le processus est douloureux, mais ne sortez pas. Celia, I'm very good. Don't ask me how I am. I'm always good. Always. Quand elle me demande que comment tu vas, je n'aime pas. C'est dès qu'elle ne va pas bien, tu vas me donner le remède. Are you going to give me medication? No. Bon. Ceux qui vont regarder ceci en différé, le message qu'on m'a donné pour vous, peu importe le jour où tu regardes ceci, hein, ça veut dire que c'est le jour-là que ça te concerne. Votre bataille n'est pas physique. C'est dans le spirituel. Vous combattez plus que vous ne le pensez. Beaucoup d'entre vous, vous avez combattu plus que vous ne l'imaginez. Juste que vous vous sous-estimez. Vous vous sous-estimez. Vous ne... Quel est le premier pas du chemin spirituel? Pardon, papa. J'ai parlé de ça depuis dans mes vidéos. C'est pas aujourd'hui qu'il y avait parlé de ça. Non, you didn't offend me. No problem. I like to speak my things. J'aime communiquer avec vous. Quand ça ne va pas, je vous dis. I think people need to be more honest. It's just that they don't. They fear rejection. Ok, Aïssa, tu dis que tu as commencé à travailler sur toi. Beaucoup de choses sont opérées dans ta vie. Mashallah, je suis très contente pour toi. Je le disais, vous avez plus d'influence que vous ne le pensez.
il y a beaucoup de choses, beaucoup d'impact que vous avez. Et je vous dis souvent que vos anges ont la taille des immeubles. Un immeuble de 20 étages, par exemple. Donc, tu ne peux pas être invisible quelque part. On doit forcément te voir. On doit forcément te voir. Je vous ai dit la dernière fois que ce qu'on vous dit dans la journée est plus important que ce qu'on vous dit dans vos rêves. Je ne sais pas pourquoi tout là-haut, mes rêves. Développe la capacité d'écouter quand tu es réveillé, plus que quand tu es endormi. Tu sais pourquoi c'est difficile pour vous? Pourquoi c'est difficile? On te dit peut-être que dans la nuit, parce que le truc c'est que dans la nuit, quand tu fais des voyages, c'est très long. Ça met du temps. Il y a plusieurs messages. Tu te réveilles. Quand tu arrives à rester seul, tu peux écouter. Et savoir que ah, ils sont en train de me montrer de partir ici. Ils sont en train de me montrer de faire comme ça. Ce qu'on vous montre en rêve la nuit, c'est ce qu'on vous a dit dans la journée, mais vous étiez trop occupé pour écouter. On te parle en journée, tu es trop occupé pour écouter. Vous devez liker ma vidéo. Merci à ceux qui ont liké. Que ça t'apporte la bénédiction. Ceux qui ont liké avant que je ne... Maintenant, là, si je veux liker maintenant, ça ne marche pas pour toi. Est-ce que vous aimez trop ça? Je vous dis de liker, vous ne likez pas. Merci. Que la bénédiction soit sur vous. Devenez indépendant. Je sais que vous aimez beaucoup la dépendance spirituelle. Apprenez à être indépendant. Apprends que tu peux te lever, tu ne vas pas bien. Tu t'assois toi-même, tu te scannes. Tu te scannes. Certains de vos problèmes, vous-même, vous pouvez les résoudre. Hein? Certains de vos problèmes, vous pouvez les résoudre. Bon, je dois y aller. On me demande de vous laisser maintenant. J'ai assez donné de messages. Si vous venez d'arriver, regardez le direct ici encore. Bonjour.